rentrer dans le trophée du pilote le plus spectaculaire. Romain Girard, le numéro 85, on avait dit un des pilotes qui avait, le pilote qui avait remporté le Grand Prix de Seine-et-Marne l'année dernière à Beaumont du Gâtinais. Jérémy Couture lui aussi, Loïc Danès, Sébastien Lefranc, également Emmanuel Goussard, Sonia Ravé, notre deuxième femme aussi, le numéro 35, qui est présent également avec sa voiture aux couleurs des Vikings rouge et jaune au centre de la piste. Voilà, tous les pilotes à suivre pour cette manche-là. Une manche qui devrait être un petit peu moins glissante et on l'espère pas trop poussiéreuse non plus. Mais comme on avait dit, on va essayer un petit peu d'avoir une manche un peu plus rapide et donc bien plus spectaculaire. Allez, tous les pilotes sont là, on peut donc y aller. C'est parti pour cette première manche du groupe B et ce premier tour de chauffe pour ces pilotes. Thank you.
Gérard et juste derrière lui le numéro 51, Loïc Danès. Les deux pilotes actuellement roue dans roue comme vous pouvez le voir qui sont pour le moment tous les deux en tête. Alors que vous avez vu cette belle figure entre Anthony Berger le numéro 22 et Jérémy Couture le 95. Un double tonneau en tout cas, deux simples tonneaux de deux voitures en même temps, Anthony Berger. Et Jérémy Couture qui semble-t-il sont en lice pour se disputer le trophée du pilote le plus spectaculaire aujourd'hui. Allez, au prochain passage, on aura trois tours. Trois tours pour le 85 et 51. Le 85 et 51 qui sont au bout d'un bout. Et encore un tonneau pour Anthony Berger. Anthony Berger à côté pour lui. Tandis que vous la voyez, cette voiture numéro 95, cette petite R5 qui commence eh bien, à avoir quelques stigmates des différents tonneaux qu'elle a pu faire aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Allez, le 85, le 51. Allez, un tour pour le numéro 85. Alors vous n'avez peut-être pas forcément compris puisque le 51 était passé devant le 85 sous le drapeau jaune. Le 51 était passé devant, mais eh bien, on n'a pas le droit de doubler sous le drapeau jaune. Et c'est donc l'arrivée pour le numéro 85. Dernière petite poussette pour la forme du 85 sur le 95. Alors on vous le disait, on avait les 85 et le 51 qui étaient roue dans roue. On disait le 85 devant, le 51 juste derrière. Et peut-être, amis spectateurs, que vous n'ayez pas compris que l'arrivée était donnée sur le 85 et non pas sur le 51 alors que celui-ci était passé devant. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour la simple et bonne raison que sous le drapeau jaune, il est interdit de doubler. Il y avait un drapeau jaune, le 51 a continué de rouler et est passé devant le 85, raison pour laquelle ce passage devant eh bien, ne peut être comptabilisé comme eh bien, une victoire pour le 51 qui sera vraisemblablement tout de même deuxième dans cette manche. On se retrouve donc dans quelques instants, les buvettes vont rentrer à nouveau pour eh bien, que vous puissiez chacun vous hydrater si vous le souhaitez et on vous donnera la confirmation du classement de cette manche qui a mis spectateurs comme vous l'avez vu et davantage spectaculaire puisque la piste eh bien, s'assèche, la piste devient plus rapide, la piste devient eh bien, plus